Salut. Envoie des textos. Vous allez bien? Donc aujourd'hui, on est à côté des Mureaux, donc les Mureaux c'est par là. Et là, on est à Melun en Yvelines, ma ville natale. Et on a rejoint, attends, enlève la capuche, voilà, Émancipation. Vous les connaissez, c'est les pépères qui sont venus avec nous là, à Pontaine-Mer. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Donc voilà, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on risque d'être à peu près entre 80 et 90 aujourd'hui. Ouais, minimum. Minimum. Allez, c'est parti. J'ai installé ça au bout de mes aimants et j'ai bien fait, regardez, hop, impeccable. Alors premier lancer, ouais, c'est une caisse à monnaie, ouais, apparemment, ouais, c'est ça, une caisse à monnaie déjà pour commencer, premier lancer. Donc déjà on peut dire qu'ici ils aiment la Henken. C'est Henken ici, Audric. Ah. Bon, Christophe, il nous a fait une boule de pétanque avec son nouvel aimant. Fais voir ton nouvel aimant. Regardez. Bulldog Gold. Il est beau. Hein. Ouais, non. Les boules de pétanque, c'est pas les amis des aimants. Ça peut éclater l'aimant littéralement. Alors. Je pense que c'est encore une caisse à monnaie, non? Je sais pas. Ah non! Oh bah d'accord! Tu vas poser l'autoradio pour mettre dans ta voiture? Ah, il tourne encore le bouton, regarde! Bon bah, poste autoradio. Ah, il fait USB en plus, hein! C'est un pionnier, mon gars! Il fait USB et tout, hein! Regardez! C'est un pionnier, hein. Je te le garde pendant ta voiture, Audric. Non, c'est bon. Rien. Ça ressemble à une sorte de... Elle est longue, ta vis, hein. Ouais. Ça, rien, c'est un peu filté, non? Ouais, c'est filté tout le long. Ouais. Alors. Il y en a des postes ici. Ouais, deuxième poste autoradio. Il a l'air d'être un peu plus ancien, celui-là, déjà. Ah oui, il est pas tout jeune. Hein. On continue. Ça, c'est un morceau de caniveau, apparemment, d'après ce que le monsieur derrière moi me dit. Ouais. C'est quoi? Ah, une barre de néon, ouais. Alors, je vous reprends après un petit problème. La caméra est tombée à l'eau. Heureusement, il y avait Christophe qui... que je l'ai tenu par les pieds, il s'est penché pour aller la récupérer. Donc j'ai trouvé une paire de clés. J'ai une paire de clés. Hein. Ah, c'est des petites clés des petits coffres, vous savez, les petits coffres à main et tout. Petits coffres monnaie, des trucs comme ça. Ouais. Et on continue. Bon, on va aller voir. On va aller faire un petit tour pour aller voir tout le monde. Ah, ça va venir où? Ça meurt ou pas? Bonjour tout le monde. Ça vous gêne pas d'être filmé? Non, pas du tout. Un petit rétroviseur? Ouais, première prise. Ouais, j'ai sorti une caisse à monnaie, une caisse de monnaie, deux autoradios. Vous voulez prendre des autoradios? Ah, si, tiens. Bah, ils sont pas beaux, hein. Ah, et là, il vient de nous sortir quelque chose en live. Et j'ai eu un petit souci, la caméra est tombée dans l'eau tout à l'heure, je sais pas si vous avez aperçu. Non. On a eu du mal à récupérer. C'est quoi ça? Alors là, franchement, ça a une forme vraiment. Ouais. La fois que je vois ça. Ah, une petite remontée en live. Oula. Ah, c'est un poids. C'est un genre de poids en béton avec une tige, ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est du béton, ça, non? Ouais, c'est du béton. Ça a accroché sur la barre. Ah bah attends. Tu sais quoi, ça? J'en ai là-bas aussi, tiens. J'en ai aperçu dans l'eau, des trucs comme ça avec plein de ronds là. Ouais.
D'accord, bah je vais ce que c'est maintenant. Ah bah le gars Lolo, bah il fait dans la barre de fer lui. Oh la bourriche toi. Tu vas repartir avec Matt. Hein? Tu vas repartir avec. Tu veux que j'en fasse quoi? Sans ça, sans plus tain. Ah ouais. Ah, il y a un panneau de signalisation. Alors, je fais un premier tour. La petite ferraille. Comment? Ouais, c'est un inventaire. C'est un morceau de pare-choc, ça? Donc, on a encore deux pêcheurs par ici. Ouais, nouveau pêcheur. Les nouveaux pêcheurs. Alors, ah, un échappement, je l'aperçois de là. Plein de barres de fer, un échappement, une barrière. Il y avait encore beaucoup à battre pour notre corps. On a fait 25 barrières de chantier, nous, une journée. Ouais. Petit coucou. Salut. C'est quoi vos prénoms? Thomas et Valentin. Et Valentin. On continue par là. Ah, il y a quand même pas mal de ferraille. Un autre pêcheur ici. Salut. Votre prénom c'est Kevin. Et il y en a encore là-bas. Bonjour. Et un autre pêcheur par là. Ça arrange pas d'être filmé, non? Et le prénom? Samuel. Et Samuel. À ce moment-là, je me suis pas rendu compte, mais Samuel, on le connaissait déjà, il était venu à Pont-Audemer. Encore excuse-moi Samuel, je t'avais pas reconnu sur le coup, j'étais à fond dans ma vidéo. Voilà. Bon bah, Morane a collé les mains. Oh, ça arrive. Non mais celui-là, il est pas fait d'eau. Il est content. Ah oui, d'accord. Il faut qu'on fasse gaffe au bord, disons. Ouais, on vous reprend après. Un loquet de porte, je ne sais quoi, mais putain, il est vieux. Avec une ferrure comme ça au-dessus, là. Je crois que ça s'appelle une ferrure, mais. Oh! Aussi, c'est un extincteur, c'est de la poudre. C'est un extincteur? Ouais, et il reste un peu de poudre bleue, là. Ah ouais. Avec le klaxon d'autoradio, ouais. Et le gars là-bas, il y en a sorti un normalement aussi, un autoradio. Une roulette de je ne sais quoi. On continue. Oh là là. Ah ben, on va pouvoir arroser les fleurs. Un petit arrosoir. Ah ben, il est plein de vase. Vas-y, c'est bon. Allez, belle ça. Deuxième. Ouais. Spécialiste de la trottinette. Et toi, en plus, je parlais ça. Un scooter, je vois savoir. Et toi, tout à l'heure, je te disais ça. Regarde, ils ont pris un scooter. Ah, c'est celui-là que t'as volé l'autre jour. On les attire. Oh là là, attends. Ah ouais. Il y a une voiture à la Pedralta là-bas. Là où il y a la descente de bateau. Ah ouais, là. Il va passer sous le ponton, ça va être la misère. Allez, je vous jure, il est au ras de l'eau. Soit le chef par la roue arrière. On peut pas arriver à le. Le bout du top 10 là. C'est un trou là. Ouais, avec je sais pas. Oh, l'essence qu'il y a. Ah ouais. Ils auraient pu vider l'essence quand même avant, merde. On aurait eu 3 gros pains, ça aurait été bien. Putain, j'en ai un dans le cul. Les gars, vous avez pas un grappin? Scooter! C'est 5 euros. J'aime bien que tu prends un petit peu. Ça glisse, hein. Ah oui, on va finir là-bas. Putain, pour c'est pas nager en plus. Sinon, ce qu'on fait, moi, tu le maintiens. Moi, avec, je vais m'asseoir avec les pieds, je vais pousser de façon à le pousser.
tout noir, ça filme. Ouais, en plus, il y a de l'essence qui sort. Ah, ouais, 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 ouais. Ça pollue, ça. Mais tu as trouvé un truc de ouf, quoi. Eh, c'est un truc de ouf. Ah, ouais, il est bien rouillé, le machin. Et le ponton qu'on va y franchir, les gars. Ouais, je parle à la roue à vous, mais ouais. Et les plus gras derrière, allez, justement. Relâche un petit peu. Lève. Relâche. De temps en temps. Donne-la moi. Tu l'as rallumé là ? Ouais, Donne-la moi. Je veux tirer ton sur. C'est pas évident. C'est pas évident. Tombe pas à l'eau. Attends, je vais essayer de me mettre derrière. Mais celui-là, je suis tout seul, c'est pas évident à tirer la corde. Ça, c'est pas à moi. Ouais, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, faut mettre un grappin derrière. C'est un bout de ouf. Des années, ouais, t'avais rappuyé ? Ouais, t'as le bras rouge. Ouais, c'est bon, mais avec un. Comment ça s'appelle les filles, sinon je vais vous aider. À pousser si vous voulez. De quoi ? Ah, c'est moi. Non, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Ça, après, on va être beaucoup trop sur le pont, on va le voir tout à l'heure. Le poton, il va se retourner le gueule. 3 Oh putain. Mon grappin, il est bloqué là par contre. Ouais, attends. Ah ouais, contre la. Relâche-le ton grappin un peu. Il y a autre chose que des fumants, moi, en fait. Ah, il est pris. Ton grappin, il est pris entre le poton et le. Ah ouais, c'est dans le grappin qui bloque. Là oui, on n'aura pas le choix. Voilà. Donc, tu rappelles, on a été invité par Émancipation 78. Voilà. Bon, Audrey, il est petit joueur, il est sort en morceaux, les machins. Ouais, moteur Yam. À la limite, c'est ce qu'on va faire, c'est monter à la main de la Royale. Ouais, voilà. Alors, une petite canapèche Mitchell, et là, probablement un deuxième engin motorisé. On a des flaques d'hydrocarbures qui remontent quand on tire, on est à plusieurs grappins dessus. Attends. Il y a pas mal de ferraille là. Oh là 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 là. Ah, viens là, faut biper la bouteille de Kazakh. Viens là.